Bonne nouvelle pour les Léopards de la RDC, renfort de taille avant le face-à-face avec le Sénégal. Dans la perspective du match décisif contre le Sénégal, les Léopards de la République démocratique du Congo ont reçu un coup de pouce majeur. Le sélectionneur-manager, Sébastien Desarbres, a réussi à convaincre plusieurs joueurs expérimentés évoluant à l'étranger de rejoindre les rangs de l'équipe nationale congolaise. La plus grande prise est sans aucun doute celle d'Aaron Wan-Bissaka, le talentueux latéral droit de Manchester United, qui a finalement choisi de représenter la RDC. Cette décision marque un tournant important dans la composition de l'équipe. Wan-Bissaka a choisi la RDC. Sébastien Desarbres a déployé des efforts remarquables en Angleterre pour persuader les joueurs binationaux de rejoindre les Léopards. Son engagement a porté ses fruits avec l'adhésion de Steffi Mavididi, joueur de Leicester, qui a également opté pour la RDC. À seulement 25 ans, Mavididi ambitionne de débuter sa carrière internationale avec la RDC sous la houlette de Sébastien Desarbres. Cette dynamique souligne l'attrait croissant de l'équipe nationale congolaise pour les joueurs de haut niveau. La mission de Desarbres a été couronnée de succès, avec tous les joueurs répondant favorablement à l'appel de leur pays d'origine. En ajoutant à cela la décision d'Axel Tuanzebe de rejoindre les Léopards, l'équipe est désormais renforcée et prête pour le défi qui les attend contre le Sénégal pour éliminatoire la Coupe du Monde 2026.